Je peux donc ici factoriser cette expression, reconnaître l'expression d'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, s factorise sous la forme a moins b, facteur de a plus b. Reste supérieur à 0. Et donc, si on va un tout petit peu vite, puisque là c'est du calcul littéral quand même de troisième, x moins 5 moins, et attention quand même dans ce calcul littéral, au moins ici qui va se développer tout au long, tout derrière ma parenthèse, j'aurai x moins 2x qui va me rester moins x, et moins 5 moins 3 moins 8, qui va être facteur dans mon deuxième membre de x plus 2x, 3x, et moins 5 plus 3 moins 2. Faites-le à votre vitesse, vous devez arriver à cette expression-là. Une fois qu'on est là, on est un produit classique qui doit être supérieur à 0. On va donc chercher le tableau de signes. La valeur qui annule moins x moins 8, c'est donc la valeur moins 8. Attention, il y a beaucoup de signes moins, ne pas vous tromper. Et la valeur qui annule 3x moins 2, c'est la valeur 2 tiers. Donc les deux valeurs qui vont intervenir dans mon tableau vont être moins 8 et 2 tiers. On place donc dans le tableau de signes les deux valeurs qui vont annuler le produit. On a donc trouvé moins 8 et 2 tiers. On place donc moins l'infini plus l'infini à gauche. Et on va donc tracer les valeurs qui annulent. Les barres, voilà. Donc moins x moins 8, lui s'annule en moins 8, on l'avait vu. Et 3x moins 2 s'annule en 2 tiers. Moins x moins 8 est du signe de a, donc négatif à droite. Donc positif à gauche de 0. 3x moins 2 est nul en 2 tiers, donc positif à droite et négatif à gauche. On effectue maintenant la règle des signes. Un nombre positif par un négatif donne égal à un négatif, le produit d'un négatif à un positif et le produit d'un négatif par un positif à un négatif. On m'a demandé de résoudre l'ensemble, enfin le carré d'x moins 5 moins le carré de 2x plus 3 supérieur à 0. Et on voit bien, d'après le tableau de signes, qu'il s'agit de cet intervalle-là et de celui-ci. Et donc, on va rédiger l'intervalle sous cette forme-là, s égale de moins l'infini à moins 8. Moins 8 est exclu, puisque je ne l'avais pas marqué, mais c'est une valeur qui annule mon produit. Or, je veux mon produit strictement négatif. Union, de la même façon, c'est annulé en 2 tiers, donc j'exclus 2 tiers, jusqu'à plus l'infini.